Nous sommes fixés pour la première fois dans le cadre de la journée, dans le cadre de ce groupe. C'est nous, en quelque sorte, on a entendu dans de très beaux endroits ensemble, et ici, dans le salon d'accueil, où nos étudiants, nos élèves arrivent sous les groupes, sous les groupes, et on va faire ensemble de la conférence pour l'atelier, l'atelier de la journée, qui est juste derrière nous, qui est juste en France. Ici, on reçoit donc nos élèves pour leur faire expérimenter les différents savoir-faire, les différentes connaissances de tout le monde, de grands groupes de la matière. Je m'en souviens particulièrement de la partie théologie. Vous avez évidemment envie de faire grâce à notre directeur scientifique de l'école de droit de la vie, le chrétologue. Et donc, ensemble, on va parler de l'écriture, on va parler de savoir, on va découvrir d'autres expériences. Utiliser les outils de la technologie de l'éducation. Donc, tout ça va en cours, beaucoup d'expérimentations. On a la chance d'avoir une grande collection ici à l'école pour pouvoir couper, pour pouvoir expérimenter et voir le maximum de temps et de choses. Ce soir, nous allons parler ici avec une amie de l'or, c'est vraiment un peu, qu'on a mis un petit peu de temps à aborder finalement. L'école existe déjà depuis 10 ans maintenant. Et on a choisi peut-être pas comment aborder ce sujet aussi important de l'or. Donc, on a choisi avec lui une première approche, une approche minéralogique, biologique, touche de l'or. Et donc, c'est pour ça qu'on va utiliser de l'atome à la seconde. Et donc, ensuite, on va faire de l'avenir et de l'avenir. Donc, ensemble, nous allons parler de ce grand sujet. Et en guise de présentation, je vais vous montrer quelques images. Et donc, quelques images qui sont là, bien entendu, pour moi, parce que je vais tout le monde peut-être que les choses sont mieux par différentes utilisations. Vous connaissez, vous avez un petit peu comme moi. Vous connaissez peut-être moins cet ornement qui fait partie de la collection, une collection incomplète, une étoile collection. Et qu'on a repris dans une exposition, c'est actuellement des jours l'or, c'est un élément chimique. Alors, je vais me déplacer.
pour aller sur l'écran. Si je veux bien le faire, ou pas. Non, je pense que c'est un peu plus tard. Je pense que voilà, vous avez votre magnifique tableau de derrière qui répertorie tous les éléments connus dans la terre qui composent notre sphère d'habitat. Où se trouve l'or à l'hypothèse? Eh bien, il va se trouver ici parmi les autres métaux de transition et dans la même colonne que des métaux qui sont très certainement, ce sont l'argent, l'or, le cuivre, CU, et puis l'or qui sera symbolisé par le symbole A. Pour Aurum en latin. Donc, évidemment, je prends aussi le zoom là-dessus. Vous voyez que la masse atomique de l'or est de 97, que vous avez 79 protons, donc dans ce magnifique atome, vous avez une belle représentation aussi d'un atome d'or. Voilà un petit peu pour ce concept-là. Qu'en est-il de ces propriétés un petit peu par rapport aux autres, métaux? Je vais vous réduire l'or qui rapproche vraiment énormément de l'argent et du cuivre. Il se rapproche principalement de son point de fusion. Regardez la température de fusion de l'or comparée à ici l'argent ou le cuivre, 1064 degrés. C'est finalement une température qui est accessible, qui n'est pas, des très hauts points de fusion dans un four, dans un four artisanal, on peut atteindre ce genre de température. C'est un élément important par la suite. Par rapport aux plantines, par exemple, qui ont des températures actuellement très, très difficiles à atteindre à 1770 degrés, c'est qu'actuellement, ce sont des méthodes récentes qui permettent d'atteindre ces températures de fusion. Encore une fois, on y reviendra tout à l'heure pour parler des alliages et de leur avenir. On est dans un peu que je crois qu'à partir de 1700 degrés, c'est encore pas assez vite par moment. Donc, ça, c'est le cas de très intéressant par rapport aux autres métaux. L'or est très dense. Alors, c'est pas là tout en garde de dire l'or. Mais dense, ça veut dire que finalement, il va être beaucoup plus, par rapport à un autre matériau, il va être beaucoup plus finalement lourd par rapport au même temps. 19,3, le fer est un élément très important qu'on utilisera par la suite pour récupérer l'or. L'or, c'est un élément, mais dans la nature et sur la terre en général, les éléments ne sont pas tout comme ça, ils peuvent bien être rassemblés et les éléments, certains atomes, vont être rassemblés sous une façon, sous des solides et parfois sous des solides cristallins. C'est le cas de l'or. En fait, c'est rarement les petits atomes dans le l'or qui sont comme ça, soit l'or est accompagné dans les minéraux qui contiennent de l'or, mais pas tout. Mais bien souvent, en fait, l'or se trouve sous ce qu'on appelle le pain natif et cristallin sous forme de minéral. Alors, l'or, donc, c'est un solide cristallin également en plus d'être un élément. Une cristalline dans le système cubique, alors, c'est une belle représentation du système cubique avec les petits atomes qui sont représentés à une journée pour représenter les atomes d'or. Et ici, vous avez ce qu'on appelle une maille cristalline en mélange géométrique. Alors, ne vous exprimez pas, enfin, vous juste représenter un petit peu ce que vous imaginez à l'intérieur de l'or. C'est un cristal d'or que vous trouvez, les atomes d'or, accumulés sous forme de tout comme ça. Alors, c'est un maille cristalline qui n'est pas simple. Oui, alors, à quoi ressemble l'or dans la nature? Je vais vous présenter des échantillons exceptionnels.
lorsque son Dieu s'est exposé à cela, vous trouverez des choses un petit peu plus banales. Mais là, il y a quelque chose que vous voyez dans ce film ici à l'écran, c'est du coup des choses qui vont nous dire que dans les musées. Donc, clairement, généralement, on va en parler tout à l'heure, on va tous les paillettes sur la nature. Mais des belles choses qui sont spécialisées comme ça, des choses qui sont publiques, qui viennent faire des choses dans la nature. Mais finalement, c'est plutôt rare. Là, vous voyez la dimension en tout cas de cette échantillon de deux autres choses qui sont là, c'est pas tout. Donc, des choses qui sont là, presque publiques, ça existe, mais en fait, et comme vous le disiez cette semaine, la forme la plus courante de l'offre que vous avez, c'est l'hôtel. Alors, on va bien le faire, c'est un peu d'or, un hôtel, c'est une double pyramide. Peut-être qu'on peut zoomer sur le petit hôtel, le modèle d'emploi que présente aujourd'hui. Vous voyez, le modèle d'emploi et ce qu'on retrouve dans la nature, c'est très similaire. Là, c'est un hôtel un petit peu particulier, il y a une grande qualité. Donc, il y a une place en termes, il n'y a pas le temps de se développer juste. Les arrêts ont le temps de dire que c'est les autres. Je vais juste rajouter une idée, vraiment, c'est qu'on parle de tout pour d'autres. Et c'est pas tout simplement parce que je pense qu'on a jamais l'habitude de trouver des cristals de cristal. On se demande pas souvent que l'or cristalline est comme les autres minéraux qu'on peut connaître, je pense que c'est la même. Moi, je pense que c'est le dada, le minéraliste, là, c'est vraiment notre forme. Nous, on peut parler de tout d'or, nous, on peut parler de tout d'or, c'est des choses un petit peu différentes encore. Ici, vous voyez, on retrouve ce qui se passe pyramidale ici, et c'est encore une des hôtels, je suis passée. Et vous voyez que finalement, si je ne suis pas trop pas, ça c'est un classique. Et d'ailleurs, en bas de la section, vous voyez bien, c'est pratiquement une feuille. Et ça, on le verra tout à l'heure, c'est la façon dont l'or est cristallisé à l'intérieur de la roche. Et on vous montrera des exemples tout à l'heure. Et ça, c'est beaucoup plus fréquent finalement que le bouquet que vous avez vu tout à l'heure. Le point de vue, qui vous montre finalement, plus parlant qu'on regarde sur les chaînes à l'eau,
la couleur visible, du bleu au rouge. Ça, c'est ce que notre œil peut percevoir. Et ici, sur cette échelle-là, le pourcentage qui est réfléchi par le métal. Donc là, 0,1 est réfléchi, et 100%, c'est ça, il y a voir parfait toute la lumière qui se fait, qui arrive à être relancée. Voilà. Donc là, ce que vous voyez sur ce schéma, c'est en anglais, mais je pense que ce n'est pas vraiment important ici. Sur cette courbe, vous voyez l'horizon. L'argent, finalement, est accepté là, il est réfléchi bien toutes les longueurs d'onde dans les visibles. L'argent, quelle couleur a-t-il naturellement? Je vais vous montrer la vidéo, si vous voulez que ça va plus haut, si j'ai un peu de temps. Alors, vous voyez que la couleur argentée, c'est une couleur métallique standard. C'est un métal standard qui représente cette couleur qui va réfléchir et en même temps qui va être finalement blanche et rouge. Donc ça, c'est un petit peu des métaux en général. L'étain, jusqu'au fond, aura un petit peu la même couleur, mais qui réfléchit un petit peu moins. Ici, juste en dessous, vous avez la courbe de l'or. Ce qu'on peut voir, c'est que finalement, l'or réfléchit beaucoup moins bien que ces couleurs bleues jusqu'à l'est, alors qu'elle réfléchit parfaitement ou presque les couleurs jaunes jusqu'à orange et rouge. Et d'ailleurs, le pouvoir réfléchissant dans le rouge ici, et même jusqu'à l'infrarouge est exceptionnel au sein de la neige d'or, puisque c'est une proximité de l'or, c'est de métal qui réfléchit le plus l'infrarouge et ce sera utilisé dans la situation plus tard. Donc, du coup, ce qui se passe un petit peu en fait, c'est que l'or obtient ses couleurs bleues en veste, mais par contre, il faut très bien ajouter ses couleurs jaune, orange, rouge. Du coup, pourquoi on ne voit pas l'or rouge? Notre œil, c'est à cause de notre œil. Notre œil n'est pas très sensible au rouge vis-à-vis du jaune. Alors, c'est vraiment très pratiquement. En dessous, vous avez le cuivre, et vous voyez que le cuivre, lui, déjà finalement, on repose principalement dans le rouge, pas du tout dans le jaune, pas que dans l'orange. Du coup, quand le vent. L'objet le plus qui est le plus de valeur ce soir, je pense. C'est quand même une petite tête en cours où vous voyez la couleur rouge orange. Donc voilà pour la couleur. Donc la couleur est du coup, on le dit, parce que ça ne paraît pas. C'est pas du tout super spécifique. Je pense que c'est bien pourquoi d'avoir une conscience. C'est bien comment on est constitué parce qu'on incarne la couleur, c'est pour se poser, etc. Une autre grande sensibilité, c'est très important pour l'or et pour l'utilisation de ce métal, c'est sa stabilité. On a choisi d'illustrer cette propriété par quelques éléments qui étaient très proches d'un aspect d'or qui n'en est pas dans cette technique. En plus derrière, on a un matériel qui est la métallique, le plan des noirs, c'est-à-dire le grand plan des noirs, où ce trésor qui se cache dans ces découvertes. Et elles sont toutes significativement, elles sont pas en mode de fond. Et vous voyez tout ça, on les voit débarrassés de leur terre, de leur fonte, de leur sol. À droite, par exemple, on est déclenché, débarrassé, des pierres de notre gouvernement, qui sont, on peut penser qu'elles sont quasiment fabriquées et bien, parce qu'elles sont débarrassées. Et la grande propriété de l'or, c'est le sol. C'est-à-dire qu'il ne réagit pas à l'oxygène, il ne réagit pas à l'eau, il ne réagit pas aux différents vents fluides. Il est vraiment extrêmement stable dans le temps et stable quand il est en contact avec d'autres produits. Il va simplement être dégradé par un mélange d'acide sulfurique dans le sol, ce qui ne pas très facilement. Et il va être aussi sous parfaitement stérile, c'est-à-dire parfaitement dégradé, parce que dans un certain nombre de produits, il va entrer tout à l'heure et être on a vu tout ça dans la présentation de la partie.
trouver que l'ordre de la modernisation, à ton sens, on va poser aussi quelqu'un dans quelques problèmes ensuite, on va voir dans une vidéo. Et quand on arrive dans ce point-là, il faut attendre
ce genre de choses, ce genre de choses, qu'est-ce que c'est une étoile massive qui est en train d'exploser. Vraiment, vous imaginez notre petit soleil à côté, c'est ce que vous avez en train de faire. Là, il y a des étoiles massives, des étoiles massives qui sont visibles, et à un moment de la vie, où, potentiellement, ils sont bons à mourir, à exploser. Et pendant que cette explosion, il y a des nouvelles réactions nucléaires qui peuvent se mettre en route et ça va engendrer les éléments qui vont comme les abondants. Alors, là, c'est aussi le diagramme de l'économie politique pour pouvoir vous donner un exemple de temps. Vous allez voir, en fait, dans votre vie, ceux qui sont noirs, c'est pour faire des combats. Ceux qui sont orange, c'est pour être principalement pendant que les mois d'or. Je ne sais plus comment ça se dit en français. Mais même blanche, la foule, c'est qu'on va exploser. Voilà, vous allez créer ces éléments-là. Ensuite, vous allez avoir l'explosion de ces grosses étoiles, qu'on appelle les supernovas. Il faut vous créer beaucoup de ces éléments chimiques ici. Donc, vous avez ces éléments qui sont un peu plus petits, ces couleurs-là. Voilà, donc tous ces éléments-là. Et vous avez l'or qui est ici. Alors, lui, finalement, là, on ne sait pas comment il est fait. Par contre, c'est une question auquel on appelle les astrophysiciens qui sont en train de répondre actuellement. Il faut garder tous les articles scientifiques publiés. Il y a des controverses, il y a plein de choses qui peuvent se passer. En tout cas, ce qu'on peut dire avec assurance et grandeur, c'est que la plupart des scientifiques, il y a des milliards d'années, nous arrivons parfois à la création du système solaire, et qu'il faut arriver dans notre Terre, justement par la création du système solaire, qui crée un peu les planètes, et enfin, sur notre Terre, la chose d'or, comme les autres matériaux, les métaux lourds, vont se trouver concentrés à l'intérieur de la Terre, puisqu'on a des métaux migrés à l'intérieur de la Terre, dans le noyau de la Terre. Finalement, c'est le niveau de la croûte sur laquelle on se trouve, la croûte continentale sur laquelle on se trouve. C'est de l'ordre de 1 mg par seconde. Mais cette concentration est finalement beaucoup plus élevée que ce que ça devrait être si on vous parle du principe que tout ce que devrait être obtenu de la supernova. Maintenant, on sait pourquoi on a des petits éléments d'atomes sur notre Terre. Maintenant, comment ça s'est concentré? C'est 1 mg d'or par tonne, je ne comprends rien. Pour faire un petit point sur notre Terre, il faut 1000 fois plus de cette quantité-là. Au moins 1000 fois plus. Donc, 1 gramme par tonne, c'est 1 mg. Donc, il faut des procédés de biologie, de la biologie, de la macro-biologie, c'est grâce à la biologie, et donc dans les cas, qu'on peut concentrer certains minéraux, certains éléments. Certains minéraux, certaines termes, et c'est le cas pour l'or. Alors là, c'est un des projets de formation de la partie que vous présenter. C'est un des grands projets qui est le plus loin de la physique, exactement. Et on parle généralement d'or qui se forme dans des contextes où vous avez à la fois une couche continentale, comme sur la sphère sur laquelle on se repose actuellement, mais qui est supraforte. Donc, des fois, c'est différent pour l'air. Ça, c'est le plus près de l'air. Finalement, c'est une couche qui est un peu vieille, c'est le temps de prendre de l'ampleur en même temps. Et associé avec la vitesse de suggestion, c'est-à-dire que vous avez une couche océanique, une couche océanique sur laquelle on voit vers l'océan, qui vient passer sous une couche continentale, hein, parce que c'est simplement la technique des vagues, quand on avance une couche continentale. Ça vient d'être cet observatoire qui parle bien, qui apporte l'eau de l'eau. L'eau, c'est un volatile qui va dans son intermédiaire. Surtout, ça va vous procéder, donc l'eau en passant dans les roches adjacentes qui va libérer certains éléments. En plus, il y a toujours un minéral qui vient de la pyrite. La pyrite, elle contient quelques atomes d'or partout par là. Mais quand vous allez détruire cette pyrite, on utilise en biologie les ferments qui sont justement. Je ne vais pas l'apporter, hein, si vous allez en faire de l'eau, je pense que vous avez quand même une bonne barrière. C'est parfait. Et que vous pouvez faire en plus avec l'eau, donc c'est vraiment comme attention à mettre d'eau en contact direct avec le chaud. C'est-à-dire que dans un vin, c'est un gros problème qui se trouve de désagréger. Et dans cette pyrite, il y a un petit atome d'or. Donc là, par cette relation, vous pouvez dissoudre finalement cette pyrite et éventuellement concentrer. Vous pensez à des éléments très intéressants, comme l'or, l'arsenic, l'uranium, par exemple, qui vont venir dans les roches juste au-dessus.
essentiellement que celui d'un seulement qui parle quand même des deux autres qui passent la bouche, tout ça pour finalement réussir à monter par la foi, à la surface par la consolidation, par pression, et sans passer dans les fonds des éditeurs, d'une roche en quelque sorte. Voilà un petit peu, et là finalement vous avez des petites formations ou des concentrations dans la compréhension. Voilà, là, ça va être un petit peu plus parlant, en fait, parce que donc, c'est ce diagramme, c'est une structure linéarisée avec de l'or et donc elle se retrouve là sur le schéma, le groupe avec une sorte de structure de l'état. Le schéma, ici, c'est bon, qui va vous montrer deux choses. Un schéma, on va ouvrir, c'est cristallin de quartz, donc c'est vraiment trop l'or, et qui va donner ici, et donc, par les processus d'érosion, votre ordinateur est mis à jour. Et vous allez voir que vous allez avoir deux possibilités. Soit d'exploiter votre or, qu'on appelle franchement client, directement avec un cours de secondaire ici. Soit en document secondaire, d'attendre tout simplement que le cours d'eau vienne éroder la roche de toute façon de voir. Et éventuellement, procédure l'or qui va être déposé ici. Par densité, croyez-vous, l'or est très dense, et donc du coup, on va pouvoir se quitter pour l'or dans chaque présentation, en tout cas, je vais juste intervenir par densité dans les projets. En Europe, on ne sait pas très bien que ce ne sont pas dans le même contexte que ce que vous pouvez expliquer sur le traité d'Alliance, que ce sont des documents compliqués là-bas. Voilà, et du coup, ces documents-là, vous allez avoir, si je ne vous parle pas, les documents de parole de monde à garder comme producteur, évidemment, parce que vous pouvez aussi, notre contrôle, c'est aussi de partir pour la paix. Ça fait que ça, c'est une autre documentation spatiale, alors que vous avez la paix, je ne vais pas l'utiliser, parce que c'est partout, c'est pour la paix. Et donc, forcément, ça se charge des travaux qui sont des producteurs, et bien, c'est ce qui est fondé sur la carte de l'économie. Et on voit bien tous les principaux producteurs actuellement, les producteurs sont récents, et qui sont en 2019, par exemple, en Turquie, en Italie, en Australie, en Arabie, et on a surtout un principe qui est intéressant, c'est qui sont parmi les deux pays les plus importants qui ont produit l'or, c'est de l'économie qui est en les mêmes proportions aujourd'hui, actuellement, dans les marques de la Chine, c'est la Chine, le plus gros producteur, le plus important producteur d'or au monde, presque constantement, ils ont dépensé un petit peu l'année dernière. L'Australie a eu beaucoup plus grand, ils ont très politique, ils ont fait une énorme chute, la Russie, les États-Unis, le Canada, l'Indonésie. Parce que là, on pense moins souvent quand on revient au pays producteur d'or, le Pérou, aussi, le grand pays, pour être au bord d'un coup de pouce. Le même esprit, le Ghana, c'est là qu'il faudra retrouver la Suisse et défendre le centre de l'Ontario. Alors, comme on l'a dit, finalement, on retrouve l'or dans ce filon, dans ce large esprit qui est traversé dans une roche en présence. Et vous parlez de quartz, en fait, une quartz. C'est une roche, normalement, riche en filon, qui est cristallisée dans lequel, vous pouvez encore une fois, vous pouvez se faire nourrir par les gens. Ce que vous pouvez remarquer sur cette échantillon qui est vraiment très parlant, c'est que l'or est bien de l'or cristallisé à un centre de grains de quartz. Ça se retrouve dans les deux grains de quartz et hop, l'or est devenu vraiment cristallisé entre les cristaux d'or, entre les grains de quartz. Et voilà, c'est ici que vous avez vraiment vu les quartz qui sont bien d'or. Exactement, là, je vous montre le passé, il y a vraiment des. Vous allez pouvoir tolérer l'or. Il y a deux façons de casser un or, vous avez donc la façon de casser, mais aussi vous pouvez attaquer l'or dans la roche à la sécurité des gris. C'est très dangereux quand on se trouve pas très bon. Donc là, c'est des façons un peu classiques, vous avez des ailes comme d'or, ici, il y a une échantillon de la pêche des semaines, puis vous avez des cristaux d'or pour former, là, vous avez des cristaux d'or,
vous voyez, une profondeur avec une belle face qui s'allume ainsi que dans le porte, avec des feuilles qui sont spécialisées entre les grandes portes, des feuilles d'or où on retrouve cette face triangulaire aussi. Il faut vraiment les écarter dès qu'il y a ce temps. Nous, généralement, on a ça. Comment c'est fou, mais c'est beaucoup plus représentatif, c'est ça, c'est un sentiment trop récurrent dans notre culture, dans notre représentation, on va faire un mouvement complètement exploitable. C'est des sentiments qui viennent de France, puisqu'on a deux expériences en France, qui viennent de nouveau de France en Allemagne, et qui était d'ailleurs une des plus grosses lignes d'or en France qui existait. Alors je crois que c'était découvert au fin du 19e siècle, mais vraiment le pic de production, c'était 1904 à 1910. Je crois que dans les années 1910, par an, on produisait à peu près 450 kg d'or, mais c'est quand même pas mal. Je me dans une géographie, au sens de prendre une géographie, je crois que c'est une complètement dédiée à l'heure de la vitesse, comme on vous encourage vraiment à regarder tout ça. Donc voilà, c'est la déjà du voyage des deux roches, parce qu'il faut être dans la Donc, ces roches, c'est une mine d'or et d'amour d'argent. Voilà pour un petit peu la différence française qui est ici actuellement. Et là, on vous présente d'autres lignes de pouvoir, des exploitations de pouvoir primaire. Donc, vous avez des coûts du nord, on a reconnu pas possible dans le cadre de production, dans le cadre de la ligne, dans le cadre de la ligne, dans le cadre de la ligne, dans le Là, on rentre vraiment dans un terrain, et je vous inviterai à vous
fait un article que les médias vous envoyer dans votre transmission, qui reprend un peu toutes les méthodes de d'exploitation de l'eau, que ce soit les méthodes légales et illégales, et comment on fait pour récupérer justement l'eau qu'on a commisée à l'heure des programmes. Finalement, ce sont des toutes petites paillettes. Alors, bien visible à l'œil nu, vous avez des petites choses qui sont ici. Vous pouvez tout à fait des petites paillettes dans vos grandes bateaux. Et bien, on utilise du mercure. Donc, le mercure que vous allez lancer dans votre bateau et qui va s'amalgamer avec l'eau. Donc, en gros, toutes les petites paillettes vont se rassembler avec le mercure et vous faire une espèce de pâte. De pâte qui sort. C'est récupéré à tout. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est de faire chauffer la peau. Le plus utilisé dans le monde, c'est pratiquement 50% des distances, 75 000 qui existent du monde qui utilisent ce procédé-là. C'est un petit peu trop vite. Ensuite, les autres procédés qui sont utilisés, ils utilisent la densité de l'or. Donc le fait que l'or soit plus dense que les autres matériaux qui sont plus larges. Donc là, c'est tout le temps pour utiliser tout. Je pense qu'on se sent mieux sur le petit écran. En gros, je vous montre une des méthodes vraiment assez basique en féminin qui va utiliser la gravité. Vous avez un point incliné, vous mettez vos grains sur votre roche, vous avez votre poudre, si vous voulez, et par la gravité, tout ce métal d'or va passer, alors que ce qui va être en l'or va plutôt rester collé au niveau du écran. D'ailleurs, c'est une histoire de feu. D'or qu'on récupère grâce à un feu. Il y a peut-être une analogie également avec les fameuses poisons d'or dont on parle. Tous ces poisons d'or seraient des peaux de mouton qu'on aurait utilisé pour justement récupérer l'or, hein, justement dans les bateaux, plutôt qu'utiliser des bateaux à l'époque. On utilisait en fait les peaux d'or en panisant l'or pour ses collets et le reste par terre. C'est vraiment un peu plus important que les poisons d'or. C'est un peu plus important que les poisons d'or.
Je pense que
on va pas dire des vertus de ce matériel, en tout cas, c'est très bien aussi. Demain, vous voyez, vous pouvez pas vous voir aussi, la société, c'est votre collègue. Donc, je pense qu'on se fait après la conférence de demain, et puis, quand même, ça ne marcherait pas, et ça ne serait pas terrible de ce que vous voilà. Autre visage de l'or, peut-être vous avez vu les masques des astronautes. Quand je vais voir, qui vont faire des missions spatiales, vous avez ces masques qui sont colorés et qui sont dorés. Ils sont recouverts d'une film de petits films d'or. Souvenez-vous de la propriété de ce film, l'or qui est réfléchi pour bien la couleur rouge et la couleur rouge. Et bien, du coup, ça protège les astronautes des effets nocifs du soleil, des infrarouges. Du soleil. Voilà pourquoi les astronautes ont un champ de super. C'est ce que je vous demande. Et à gauche, vous avez. Oui, vous avez le télescope James Webb Space. Il est tout recouvert d'or, on a même dans la même notion. Là, la couverture d'or est plus grotesque. On n'a pas besoin qu'on ne voit pas à travers. Au contraire, il fallait une surface très réfléchissante, la plus lourde et persistante possible, et principalement dans le domaine de l'infrarouge, en fait, soit. Puisque le télescope, ce qu'on voit en gros, c'est principalement la lumière dans l'infrarouge. Donc, très bien regarder la lumière du jour, mais dans l'infrarouge, pour aller voir ce qui se passe très bien. Donc, je pense que c'est exactement. Et encore plus, quand on a le contraire, on a parlé de l'or, c'est plus facilement intéressant que de travailler sur cette conversation. Pour vous, c'est de voir que l'or, le même or, en fait, il a plusieurs aspects. L'or, c'est la forme de protons, l'or, c'est la forme de la terre, ça s'appelle la raison, on a vu que dans le diamant, c'est ce qu'on donne, évidemment, c'est quand on voit le diamant. Là, c'est l'or atomique, et c'est aussi l'or qui est très bien, donc ça fait un certain or. Et en biologie, on utilise des matériaux, des matières qui s'appellent encore une fois or. Mais avec certaines possibilités, encore une fois, qui sont trop fortes. C'est-à-dire qu'on va parler du carat, vous avez certainement entendu de la parler sur le carat, et c'est limité pour poser des germes, notamment les acides de base, les trois germes de notre fameux sol, qui avait une masse constante, en tout cas dans les différents environnements. Comme là, pour la demande, c'est toujours le plus gros que ce soit le plus gros que le plus gros. Donc, un carat est bien 0 de grammes. Ça, c'est un peu classique, on voit comme le bien quand on parle de l'eau, quand on parle de pierre. Mais vous savez aussi pourquoi, pour l'or, il est la structure de l'or est discutée en carat, avec le nombre de carats. Combien de carats utilisés pour l'or? Il vient de ce seul de cette pièce qui est représentée et qui a été lancée et développée par Constantin Ier. C'est Constantin Ier qui arrive en 300-306 au pouvoir et qui arrive à créer une longue période d'expansion et d'instabilité monétaire et qui veut refuser un système, reformer un système stable et qui va donc développer son pièce. Sur les deux, il pèse 4,55 et il est composé de différents temps, il a fait une pensée sur l'or, les impôts, etc. Donc il a vu un truc comme l'or, c'est une première réserve, et donc il va faire cette question. Cette question va permettre la base du système monétaire, il va se développer tout autour de la Méditerranée dans ces années-là. La pièce, elle pèse exactement 4,55 grammes qui vont diviser par 0,2, en tout cas le carat de poids qui est 0,2 de l'intérieur de la chose, tombe sur la sanitaire. Donc cette pièce en or qui pèse 4,55 grammes, elle est le représentant, le symbole et l'étalon de l'or pur. Donc le mot 24 carats désigne l'or pur à cette époque-là et jusqu'à présent, 24 carats, c'est l'or pur. Et donc, quand on fait ce petit tableau, puisqu'on va commencer à mélanger maintenant d'autres ors dans des alliances qui vont aussi porter le mot et le nom d'or. Et là, ça devient que c'est comme une nouvelle réalité pour l'or alliance. Donc, si on a de l'or pur, de l'or 24 carats, c'est-à-dire qu'il y a 100% de l'or, d'atomes d'or, quand on va commencer à rajouter de l'autre métaux, si votre métaux va être intéressant pour changer la couleur, pour changer la résistance, la dureté, on a vu, on a des résistances qui sont juste comme ça, c'est pas très intéressant pour la métaux. On va
commence à les mélanger et on va voir des variantes, on peut être des matériaux qui contiennent un certain pourcentage. Et par rapport au même temps, c'est 100%. On va avoir de l'enjeu de 40% à 91% de frais d'enjeu dans le premier, du différent de 14 et même différent, on peut les voir de 9% aussi, de 14 c'est pour nous, en fait, pour le plus grand, on peut faire moins de la moitié de la masse de matériel en dehors en masque. Alors, c'est vrai que certains gaz, pour ceux les adeptes, de toute façon, vous allez augmenter les propriétés de la résistance du matériel général et les propriétés également de résistance pour vous faire. Donc, en plus, vous faites beaucoup plus pour atteindre la table de la température de fumée, c'est plus intéressant que vous. Et là, on revient un petit peu pour une histoire de donner la couleur, parce qu'on peut préserver un petit peu la couleur. Or, on va ajouter une concentration un petit peu similaire de l'argent et de cuivre. En fait, c'est trois couleurs. C'est bien un diamant, on va dire, de l'huile. En haut, vous avez l'or, 100% d'or. En bas, vous avez 100% de cuivre. En bas, vous avez 100% d'argent. Donc là, on est vraiment à l'or dans le 440 et puis si on est occupé, on est l'or, donc on peut aussi vous ajouter plutôt de l'argent, vous allez avoir cette fois. Rappelez-vous de mon petit diagramme au début, là, vous avez la réflexion, vous voyez que l'argent c'était de couleur grise, et bien voilà pourquoi, en fait, quand on ajoute de l'or, de l'argent à l'or, vous avez plutôt, serré sur de l'or blanc. Au contraire, quand vous allez rester du cuivre, vous allez avoir une couleur qui est plutôt cool, et bien maintenant, on va aller plutôt dans des couleurs de rosé, comme celle fantastique. Et pour les solutions pour le dire, évidemment, il y a vraiment une donnée, quand on dit que c'est un premier agent, on va vous donner toujours la composition, et après, c'est le premier agent, et bien, je crois, et bien, ici, on a pour tout le monde, on a une place, par exemple, dans le monde, et donc, on a un petit département, de l'orange jaune, de l'orange de l'orange rouge, et puis, oui, en plus, on vous parle d'ajout pour le métaux qui est l'argent et le cuivre, mais en plus, ce n'est pas tout à fait compliqué. Alors, là, il y a plein de choses d'autre chose. Je vous ai représenté ce qui, par exemple, le zinc, qui va vous donner plutôt l'or blanc. L'argent, c'est à la fois d'un atout d'argent et de l'or. Vous avez vu, c'est un petit peu les trois métaux dans l'or différent. On peut non seulement utiliser de l'or dans les différentes compositions, mais aussi on peut plaquer de l'or sur d'autres
Ça,
absolument génial. Et c'est pour ça qu'on joue sur les micros. Vous voyez, on va faire de l'âme, donc vous voyez ça pour moi, on reprend. Voilà, vous voyez les petites variations subtiles entre juste ces trois composants or, argent et cuivre, ce qui permet déjà de créer quand même de couleurs. Donc, c'est dans cette couleur, dans le vert jaune. Quand on va
Merci beaucoup de vous répondre à toutes vos questions. On va continuer à vous répondre.